Devo dire che voi due siete identificati come dei compositori che hanno abbracciato una strada molto, se vogliamo, curiosa, strana e in qualche modo inaspettata, perché si attribuisce sempre alla contemporaneità una valenza di eccesso del dettaglio, no? Si vuole dettagliare molto, mentre la saturazione, pur essendo una pratica dell'eccesso, in realtà va in una diversa direzione. Da dove è partito? Qual è stato il punto di partenza? Au départ, il y a plusieurs choses en fait. Il y a une rencontre, ça c'est inévitable, entre Franck et moi, qui a été cruciale pour un désir de faire un nouveau son, un désir de chercher autre chose, de dépasser, c'est un peu prétentieux, mais essayer de dépasser un peu le temps, notre temps dans lequel on était dans la musique. Il y avait d'abord donc cette rencontre-là qui était très forte, et ensuite nos deux trajectoires. On vient quand même d'une culture qui n'est pas seulement une culture classique, mais qui porte en elle aussi une admiration par rapport à l'énergie rock qui était présent, et un très grand désir aussi de faire autrement, de faire la musique autrement, d'essayer de faire autrement la musique. Effectivement, le fait que nous nous soyons rencontrés il y a quelques années a permis d'accélérer l'idée d'une formulation. Des idées que nous avions indépendamment l'un de l'autre. En ce qui concerne ma trajectoire personnelle, je dois dire que il y avait au départ, je pense, un désir et un peu aussi une frustration qui consiste à vouloir travailler avec ce qu'on appelle les sons complexes, c'est-à-dire des sons qui, en règle générale, ne sont pas produits de manière immédiate par les instruments de l'orchestre symphonique, et de travailler avec ces sons pour leur donner une place primordiale dans le langage musical instrumental. Ce n'est pas que ces sons-là n'ont jamais existé avant, bien sûr, il y en existe beaucoup de manière courante dans un certain nombre de musiques de tradition orale. Il y a aussi une très grande utilisation de manière courante dans un certain jazz expérimental, mais il me semblait, et c'était une intuition à l'époque, que ces sons complexes n'avaient pas encore toute leur place dans la musique instrumentale écrite. Cette idée de parler sur la saturation n'était pas une théorie qui aurait cherché, dans un second temps, une illustration musicale. C'était une intuition musicale qui cherchait une formulation. C'est l'inverse. Io la saturazione spesso la definisco una deriva acida dello spettralismo. Non so se questa è un'espressione che vi conviene, ma comunque lo spettralismo è una corrente che in Italia è piuttosto conosciuta per i suoi fondatori, Gérard Griset e Tristan Murail tra i primi. A questo proposito io vorrei fissare almeno tre concetti che possano essere chiari anche per il pubblico. I concetti di controllo e perdita di controllo. Questo è molto interessante, no? E il concetto di scrittura, ci sono molti compositori che ameranno capire qual è la relazione tra il tipo di scrittura e l'esito sonoro, e il concetto di approccio, l'approccio dell'esecutore, il quale è invitato a e-sistere, cioè essere fuori da sé, non essere fuori di sé, essere fuori da sé. Le principe d'utiliser des sons complexes, c'est-à-dire des sons qui soient, on va dire, un peu vite sales, ou multiples, par exemple pour une clarinette, on fait un doigté spécial et on n'a plus une note, mais on a un agrégat de notes. Utiliser les sons complexes, ça a été fait dans l'histoire de la musique au XXe siècle, et surtout dans les années 70, Xenakis l'a fait, Globokar l'a fait, les spectros l'ont fait. C'était juste prendre cet outil-là, des sons complexes, et le remettre au centre du discours musical, ne plus les laisser à la périphérie des sons, comme l'avait appelé Pierre Boulez. Il parlait de ces sons-là, des sons sales, des sons périphériques. Donc c'était de prendre ces sons périphériques et le remettre au centre de la problématique et en faire un travail, travailler constamment sur ces sons-là. Ça rejoint l'idée de perte de contrôle, parce que ce sont des sons
qui sont difficilement reproductibles dans la manière, par exemple, si on utilise un multiphonique de clarinette et qu'on rajoute la voix ou du cri, on aura un son très dense, très riche au niveau des harmoniques, très riche au niveau du timbre, au niveau de la texture, et ça c'est une notion qui est très importante dans la musique saturée, mais dont la reproductibilité ne sera pas exactement la même à chaque fois que l'on jouera la pièce qui utilise ces multiphoniques. Donc la perte de contrôle est déjà est partie de ça. On utilise des sons qui sont instables à la base, donc forcément tout l'univers et la conception du contrôle qu'il y avait pu avoir, on va dire, à l'époque structurelle ou post-structurelle avec les sériels, mais aussi avec les spectraux, parce que la musique spectrale était très structurelle. Hein. Il prenait un son, il décomposait le son, recréait le son, c'est la définition même du structuralisme. Donc nous avons voulu prendre ces sons-là et jouer avec cette perte de contrôle et aussi avec l'énergie des instrumentistes pour que la scène et l'acte musical ne soient plus une présentation ou une démonstration du contrôle, du bon jeu, de la justesse, mais un acte quasi rituel ou qui peut être proche de la performance, du happening. Pour venir compléter juste ce que Raphaël vient de dire, j'ai souvent en tête quelque chose qui fait une phrase de Matisse, d'Henri Matisse, en fait, qui disait que l'exactitude n'est pas la vérité, et qu'en fait en musique ce n'est pas forcément parce qu'on reproduit quelque chose à l'identique qu'on obtient quelque chose de vrai et qui peut nous toucher de la même manière à chaque fois. Donc effectivement la notion de perte de contrôle, ou en tout cas d'instabilité, est en apparence dans un premier temps contradictoire avec l'idée de précision qui est liée à la notion d'écriture, en tout cas dans le domaine de la musique écrite occidentale. Et il est vrai que cette contradiction, pour moi, est porteuse d'un drame, et que cette tension qui existe entre la possible précision de l'écriture et, a priori, une instabilité du matériau, ces sons complexes, est porteuse d'un drame. Et c'est justement cela qui me touche. En ce qui concerne l'approximation, puisque si on parle d'excès, effectivement, on a cette difficulté à reproduire à l'identique quelque chose, mais je pense que ça, c'est aussi important de le dire, c'est que cette approximation se situe davantage au niveau des notes elles-mêmes, et que si on est obsédé par une fonction primordiale des notes dans le discours musical, alors on peut trouver que ces sons sont difficiles à reproduire. Mais si on s'attache à donner le sens de la musique plutôt en lien avec le timbre, alors la fonction primordiale est donnée au timbre et à la texture, et à ce moment-là, on obtient une forme de vérité qui n'est pas la même que celle qu'on obtenait auparavant, je pense, dans une écriture plus classique. A proposito della scrittura, so che tu hai portato un esempio di partitura, perché questa perdita di controllo e questo concetto di indeterminatezza poi in realtà è un rivivere una determinazione in un modo completamente diverso. Magari far vedere un esempio di partitura e in qualche modo illustrare la diversa simbologia che forzatamente è di natura diversa, perché concettualmente non va in quella direzione di precisione che classicamente noi tutti intendiamo. Donc il s'agit en fait d'un manuscrit d'une œuvre que j'ai écrite en 2009 qui s'appelle Swing. Je voulais simplement parler un tout petit peu de la notation, parce qu'a priori quand on veut transmettre l'idée de l'interprétation de manière assez précise, l'idée du sens de la musique, on va devoir changer la notation pour mettre l'accent sur ce qui est le plus important et ce qui fait sens. Et finalement, on se rend compte que cet extrait est en fait une superposition, un mélange de sons complexes, c'est-à-dire de sons qui ne sont pas réductibles à une seule note ou à une fondamentale. C'est le cas ici pour Tous les vents, où on demande à l'instrumentiste de crier, de chanter dans l'instrument ou de produire du son de manière excessive, avec une pression d'air excessive. La percussion crée un son avec une pression excessive aussi sur le tam-tam, avec de l'aluminium, ce qui crée à nouveau un autre niveau de texture complexe. Même chose pour le piano, où on travaille dans les cordes, pour la guitare et pour les
instruments à cordes qui font ce qu'on appelle des sons écrasés. Et au fur et à mesure, dans le temps ces éléments évoluent, on va avoir un échange de superpositions pour faire évoluer la texture d'une manière dynamique. Voilà, en fait, c'est jamais exactement la même chose qui se produit. C'est une forme, d'une certaine manière, un kaléidoscope de son complexe. Et c'est ainsi que la structure se met en place, par des échanges et des correspondances de couleurs entre les différentes couches. Credo che sia interessante vedere il modo di approccio degli strumentisti, perché per quanto voi, dal punto di vista storico, abbiate fatto riferimento a compositori come Globocar, per esempio, che hanno sperimentato situazioni di saturazione in contesto teatrale, comunque c'è una teatralità che l'esecutore che affronta una partitura satura esprime. J'aime travailler sur le geste excessif et que sur le geste et essayer d'abandonner la notion de figure et justement et de reconnaissance. J'aime bien quand on est totalement désorienté dans ce qu'on entend, qu'on ne reconnaisse plus les instruments, qu'on ne reconnaisse plus, mais je tends de plus en plus vers ça, qu'on aille vers la matière et que le geste figuraliste ou de la figure ou que ça soit une gamme ou un trait ou une petite mélodie, que ça soit complètement effacé pour justement qu'on ne soit que dans le son. Et je ne peux faire ce travail-là que si je travaille vraiment de manière très proche avec les instrumentistes. J'avais travaillé avec un violoniste qui s'appelle Arne de Force et je lui ai demandé justement de faire une improvisation avec une multitude de sons, dont une dominance de sons quasiment pas saturés, mais très rapide. Sur les sons circulaires de l'archet pour avoir des harmoniques particulières. Il y a aussi un travail que j'ai fait avec le guitariste l'ensemble Ictus, qui s'appelle Tom Powells, pour une pièce qui a été créée il n'y a pas longtemps à Musica. Et là, c'était le même principe. Donc c'est l'improvisation et qui m'a servi vraiment de départ pour l'écriture de la guitare. C'est très court parce qu'après, c'est pas un improvisateur, c'est pas qu'un improvisateur, mais c'est surtout un musicien d'orchestre. Je vais vous faire écouter un court extrait de ce que ça donne justement ensemble avec un grand ensemble de 15 musiciens. Saturazione dal punto di vista dell'impatto sonoro può essere praticata solo con un volume comunque considerevole oppure può prevedere anche altre soglie di impatto. Je fais deux catégories dans la saturation instrumentale. Le premier c'est le total saturé, c'est un peu ce qu'on vient d'entendre avec les exemples de Franck et les miens. C'est un son plein et où on est complètement désorienté, où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de gestes. Et une autre partie de la saturation instrumentale que j'appelle l'infrasaturation. Alors il y a deux possibilités dans cette infrasaturation. Il y a soit la possibilité de travailler que sur des mouvements très très lents,
que des grains, et on l'entendra dans le deuxième mouvement de mon quatuor à cordes, c'est juste faire entendre les grains, des grains des choses, avec soit un travail sur le souffle long, c'est-à-dire une sourdine qui coupe beaucoup le spectre harmonique, on n'entend plus que le grain, plus que la pulsation de la matière, hein, c'est pour dire ça comme ça. Donc il y a ce travail-là qui pour moi est très important, et l'autre versant, et j'ai un petit extrait, peut-être qu'on pourra écouter un tout petit peu, c'est ce que j'appelle l'infrasaturation par soustraction de pression et par démultiplication de timbres. C'est-à-dire que là, on reste quand même dans un univers pianissimo, mezzo forte, mais il n'y a plus du tout de son écrasé, il n'y a plus de son complexe comme des multiphoniques, mais c'est une complexité des timbres et des enchaînements de timbres ou de superpositions de timbres qui apparaissent. Anche che ci deste un pochino di profondità storica, così come appare dal tuo manifesto, da altri scritti, circa la saturazione, riferimenti alla pittura, alla scultura. Voi parlate anche della ritualità, della religione, come in certe religioni si mettano in campo movimenti di saturazione del movimento, processi di saturazione del movimento, come i dervisci, che portano a uno stato di coscienza trascendentale. Ecco, mi piacerebbe esplorare anche questo aspetto. La question est très intéressante en ce qui concerne pour le compositeur, ce qui va le stimuler en termes de référence et de possible correspondance. Je suis absolument d'accord avec l'idée que les arts visuels est non pas seulement un art récent dans le temps, mais quelque chose de très qui donne effectivement l'impression d'être quasiment une référence ancestrale, en fait, apparemment, peut s'appliquer à l'idée même de saturation. À l'époque où j'étais à la Villa Médicis, on m'a parlé, un pensionnaire qui était avec moi là-bas, m'a parlé de la pensée d'un philosophe français qui est toujours vivant, qui s'appelle Jean-Luc Marion, qui enseigne à la Sorbonne et aussi à Chicago, et qui a écrit sur le phénomène saturé. Il cherche à analyser en termes de perception, ce qui se passe pour quelqu'un qui est en face d'un phénomène saturé, et exactement comme ce que vous venez de dire, pour lui, le phénomène saturé par excellence, c'est la révélation mystique. Une sorte de débordement qui dépossède le sujet de son ego, en fait. Non pas seulement une expérience du sublime, mais aussi une expérience, oui, d'aveuglement. Et en fin de compte, ce mélange de couleurs que je recherchais en musique, s'apparentait à un certain type de plaisir musical, un peu différent que celui dont j'avais l'habitude dans la musique écrite instrumentale occidentale. Une grande découverte que j'ai faite à Berlin d'un peintre qui s'appelle Anselm Kiefer, et qui travaille, pour donner un peu la question du travail sur le matériau, et pour donner aussi peut-être une piste d'écoute, ces sons saturés, bon, on n'en a pas assez parlé malheureusement, mais ça serait assez proche en fait de son travail. Charbon, du fil de fer, il y a aussi un reste un peu d'expressionnisme américain avec Pollock. Je me sens très proche de ça, dans ce mélange de textures, dans cette recherche de trois dimensions, etc. Et c'est vrai que, bon, on n'en a pas parlé peut-être suffisamment, mais la saturation n'est pas uniquement spécifique à la musique, elle existe depuis la nuit des temps, parce que même la définition que font les physiciens du Big Bang, c'est un espace restreint dans lequel on met une énergie énorme. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre, oui c'est vrai, pas de croyance ou pas spirituel, mais de mystérieux. Je crois vraiment que dans la saturation instrumentale,
au-delà de la musique, au-delà des arts, il y a quelque chose qui, s'il y a une fascination ou s'il y a un rejet, mais en tout cas s'il y a une fascination, il y a quelque chose qui nous fascine au-delà de la musique. C'est ce sentiment de sentir quelque chose qu'on a chacun, qu'on porte chacun en nous depuis des millénaires et qui viendrait peut-être de quelque chose comme ça, puisque ce désir de remplir un espace à outrance, on la trouve partout, dans le baroque, ça traverse l'histoire des hommes. Donc il y a vraiment cette notion-là, et je voulais vraiment le dire, de la saturation, au-delà de la musique, il y a aussi quelque chose, une notion originelle, j'allais dire, une recherche, une transparence de ça. Je pense que des situations de saturation, on pourrait en lien avec la pensée de Jean-Luc Marion, produit un certain type de perception où finalement l'auditeur ou le spectateur va se retrouver dans une situation où il est dominé en termes d'information, et que le plaisir qui, d'ordinaire, lorsqu'on est auditeur ou spectateur, est lié à la capacité d'établir des hiérarchies entre les événements ou des correspondances, ici le plaisir peut être lié à quelque chose qui est de l'ordre, enfin, quasi masochiste en fait finalement, d'un plaisir où on ne parvient pas à établir des hiérarchies. Et c'est peut-être cet aspect subversif qui m'intéressait le plus. Je sais que là encore, cette difficulté qu'on a en percevant un objet saturé, cette difficulté à faire l'analyse de la densité d'informations et la difficulté aussi à faire la synthèse, puisqu'on est aussi pris par le foisonnement des détails, et cette frontière très difficile en fait pour la perception, où il est difficile de décider ce que l'on va écouter et quelle sera la hiérarchie, est quelque chose qui provoque, il me semble, un plaisir musical différent de celui que j'avais expérimenté dans les œuvres qui étaient les miennes il y a encore une quinzaine d'années. Enfin. Donc, je pense que c'est la question du plaisir musical qui, pour moi, a été cruciale.